Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Et oui, Anthem, Anthem. Ça, on y reviendra plus tard dans quelques secondes. J'ai finalisé la quête de ce monsieur qui me demandait de récupérer, vous savez, les fameux 3 brèges. On va en avoir plus de 40 hein, maintenant. Hein. Bon, c'est... Salut, on va lui parler. Salut Prospero. Vous avez de bonnes nouvelles. Voilà la bah, oui. dont vous avez besoin. C'est ce que je voulais entendre. Parfait. Mettons-nous au travail et allumons la forge. Il est temps que ces javelins reçoivent tout l'amour qu'ils méritent. Allez à la forge pour commencer les modifications. C'est déjà fait, mais ça va me permettre de vous le montrer. Si vous voulez faire parler la foudre à l'aide d'une jolie carrosserie sur ce javelin, pensez à venir me voir. Mais je suis... En fait, tu ne le sais pas. Les meilleurs freelancers doivent soigner leurs entrées. Mais pour ça, ils m'achètent ce qu'il faut. Soyez pas timide. Tu ne le sais pas, mais je t'ai déjà acheté des choses. Parce que t'es soit bugué, soit autre chose, j'en sais rien. Fabrication déverrouillée, ça par contre je l'avais pas déverrouillé, et ça c'est assez cool de l'avoir maintenant. D'accord, il faudrait que j'aille parler. Ah, Tassine. Boutique d'apparence, c'est toujours la même j'imagine, voilà. Hop. Très bien, et vous voyez, oh mince, c'est déjà possédé ça. Étrange. Fabrication, par contre ça je savais pas. Joli timing, hein. Nous venons de recevoir d'excellentes marchandises. D'accord, je peux fabriquer des composants s'il le faut. D'accord, très bien. Et au niveau de récompense, j'ai tout récupéré. Très bien. Hop, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. On y va. Avant, on va quand même aller à la forge. La forge, c'est ici. Faut déjà voir le... Je sais pas si vous voyez le style. Mais on a un superbe colosse. Il est magnifique. Et le pire, c'est que j'en ai pas vu des comme ça. Encore. Parce que, il y a plusieurs raisons. Par exemple, voyez ça. Le plastron, c'est le plastron de la préco légendaire. La préco collecteur. Mais on pourrait aller faire un tour. Tiens, on va aller faire un tour. Hop. Histoire que je puisse vous le montrer. Bien. Si. Hop. Voilà. Ça, c'est le plastron de la préco. Le plastron de la Légion de l'Aube. Magnifique. Magnifique comme ça. Bon, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Celui-là, je l'aime bien aussi. Il me rappelle un petit peu Big Daddy dans Bioshock. Bref. Mais, ces bras ne sont pas ceux de la préco. Ceux de la préco, c'est ceux-là. Et vous voyez, je trouve qu'ils sont jolis, hein. Mais ils manquent de quelque chose. Ils sont peut-être un petit peu trop légers au niveau des épaulettes. Ça, c'est les originaux. Bon, ils sont... voilà, quoi. Et ça, c'est ceux qui étaient en vente. Les bras blindés. Et je trouve qu'au niveau des épaulettes, ça passe... beaucoup mieux dans le style, vous voyez, il y a un truc qui est lourd, il y a un truc qui est protecteur, donc très bien. Ça aurait pu être aussi ces épaulettes-là, mais je suis pas méga fan du principe d'avoir des tubes partout. Même si elles passent très très bien dans le style. Au niveau de... où est-ce que c'est? Bon là, forcément, vous en doutez, j'ai pas pris, vu que j'ai pas encore trop débloqué de choses ici. Ça se débloque dans les défis. J'ai pris celui-là. Et au niveau des jambes, eh ben, on a celle aussi de la préco. J'aurais pu prendre celle-là. Celles-là vont bien aussi avec, mais je trouve qu'elles font peut-être un petit peu trop massif. Celle-ci, ben, j'aime pas le principe d'avoir la croix. Enfin, je sais pas, j'aime pas le style de ces deux-là. Donc, du coup, je préfère encore prendre celui-ci. Je trouve qu'on a un très très beau truc. Et donc, on a peinture panneau. Assez dark. Un métal tome l'armée qu'on a acheté, donc, du coup, comme vous avez pu le voir. Qui rend très bien parce qu'il rend sur les détails. Regardez si je zoome un peu. Vous voyez ? C'est vraiment du détail, et je trouve que ça passe très très bien. Donc, j'adore. Ici, forcément, on a un petit peu de jaune. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça rend bien. J'ai pas encore de matériaux or, donc bon, je peux pas en mettre. Même si ça rendrait très très bien. Matériaux robustes, métal, oui, ce sont toutes les articulations. Ici, on a le cuir souple que j'ai mis celui-là, parce que je trouve que... voilà, quoi, hein. Pas du cuir souple, du tissu, pardon. Matériau souple 2, le caoutchouc qui fait office de tube, tout simplement tous les tubes. J'ai mis en marron rouge, en rouge foncé, vous voyez, je trouve que ça rend bien, ça. C'est un petit décalco qui est sympa, je trouve. En parlant de décalco, je n'en ai pas mis. Si, je dois avoir mis celui de la... Oui, je dois avoir laissé celui de la... Comment, le vinyle. Non, le vinyle, il est là. Laisser celui de la préco. Non, même pas. Vous voyez, celui de la préco, il est là, je l'ai enlevé. Hop, crac. Très bien. Donc voilà. Et je trouve qu'il est plutôt joli. Bon, là, on va revenir là-dessus plus tard. J'ai pas ce que je veux, donc je suis pas content. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je trouve qu'il est stylé. On n'en voit pas beaucoup des exactement comme ça. On en voit plein avec le plastron, forcément. Mais je trouve que cette tronche avec les bras, je trouve que ça fait beaucoup mieux.
Tassine. Bonjour, Tassin. J'ai une autre mission à vous confier. Tassine. Très flatté, mais on se connaît toujours pas vraiment. C'est normal. Je travaille pour Corvus. Ah, une espionne. J'ai pour mission de surveiller les menaces qui pèsent sur Fort Tarsis. Mm-hmm. Un de mes agents a infiltré les régulateurs, un groupe de contrebandiers. Ah, d'accord. Elle empêche y a Han Solo dedans. Vraiment dangereux de tomber entre de mauvaises mains. Mais dans son dernier rapport, elle signalait une incursion d'agents étrangers dans la zone. Qui sont-ils ? Comme je l'ai dit, je miserais sur le Dominion. Ce qui, pour nous, est synonyme d'ennui. Ils sont à chier à défoncer les Dominions. Vous avez vu juste. Les ennuis, ça vous connaît ? Commencez par rencontrer mon agent dans un camp de régulateurs, à cet endroit. Découvrez ce qu'elle sait d'autre, et faites votre boulot. On s'en occupe. Tassine vous a demandé de retrouver son agent, actuellement infiltré auprès des régulateurs. Elle vous a donné son emplacement dans un campement de régulateurs et vous a également parlé d'une éventuelle présence du Dominion dans le secteur. Régulateur, une organisation criminelle qui pratique la contrebande, les paris, le vol, l'extorsion et autres activités légales. C'est intéressant. La grande route, cette route arpenteur, allant jusqu'à Liberalia, débute à Fort Tarsis, passe par Arras, la grande ville du Nord, traverse Rivenoir et se poursuit jusqu'à l'écluse d'Ombralia. Salut Nono, si tu vois cet épisode. Hop, d'accord, j'y vais. Ok. Quand je suis arrivé ici, il y avait des bannières partout dans l'enclave. Je me demande quand est-ce qu'elles ont été retirées. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose en termes de décoration. Hein. Ok, c'est parti. Blom, 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 blom. Et on est bon. Et vous avez vu, détail qui tue, la skin que vous mettez sur les tissus se voit à l'intérieur. C'est tout con, hein. Mais ça marche. Ça marche, ça marche. Matchmaking, on est parti, on y va. Alors vous allez voir que je suis pas fan de mon... de mes équipements, mais alors pas du tout, principalement parce que j'ai le cracheur de venin que je ne supporte pas. Qui sert... à rien contre le Dominion. Et c'est bien la seule chose qui m'embête. Il y a eu quelques mises à jour du jeu, quelques mises à jour des serveurs, quelques mises à jour d'NVIDIA qui m'a enlevé, on va dire quoi, allez, 20 FPS sur mes 100 que j'avais avant. Donc ça m'emmerde un peu. Mais bon, au moins, là où en fait ça oscillait avant en termes de FPS, au moins là ils sont plus ou moins constants à 80. Bon, ça te prie, tu me diras. Mais bah. J'ai pris mon pied, je dois avoir fait à peu près 3 heures de freeplay, honnêtement. 3 heures de freeplay, où j'ai pu juger un petit peu de la capacité des joueurs à jouer ensemble. C'est-à-dire que t'as des joueurs, tu joues avec eux... Tu fais des trucs avec eux, ils vont essayer de te semer en vol. Voilà, ils vont t'emmener dans des events. Le commencer avec toi, se barrer en scred et te laisser dedans, c'est assez sympa, hein, ce genre de trucs. Bon, après, j'ai un colosse, donc je peux encaisser quelques coups et finaliser l'event. Bah, voyez, des trois, c'est le mien le plus beau. Tassine m'a transmis les coordonnées. Cap sur un camp de régulateur. Son agent y sera. Incognito. La photo transmise par Tassine devrait nous permettre de l'identifier. Clairement, hein. Il a un petit côté steampunk en plus. Allez, c'est parti. C'est par où, Jack? Ok. Je croyais qu'on avait trois comment... Qu'est-ce qu'on a appris dernièrement sur les régulateurs? Ils sont contrebandiers dans l'âme. Uniquement intéressés par ce qu'il y a de la valeur. Plus le topo habituel, des histoires de planques secrètes dans les parages. Faut bien qu'ils stockent leur butin quelque part. Ce que je comprends pas. C'est pourquoi le Dominion serait impliqué. J'espère que Tassine se trompe. Je suis pas pressé de devenir critère de guerre, moi. Eh bien, on est bien trois. Ok. Et je vais plus vite que lui, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il a sans doute lâché le... Ouais. Ok, t'es plus très loin du campement des régulateurs. Ouvre l'œil et fais attention. On est aux frontières du territoire Scar. Alors, dans ce mois de février, c'est-à-dire que nous sommes le 25, hein, c'est ça? 23, pardon. Oui, je commence à sortir le jeu. Hop. Vous lirez ça après. C'est juste au niveau du décor. Hein. À moins que... Attends, ils ont lu. Attends. Putain, il est chiant. Je fais le ménage. Désolé les mecs.
Ok. Je ne manque pas de régulateur mort par ici. Owen, très bien. Tu peux identifier l'agent de Tassin ? Je la vois pas là. Elle a pu s'en sortir. Je crois pas que des animaux aient tué ces gens. Et sinon, il y a quelque chose d'utile sur le site ? Équipement de régulateur. Là, on dirait un genre d'enregistrement. T'as quelqu'un ? Pas moyen de rejoindre Tess. Après la planque des régulateurs, à ses coordonnées. C'est l'agent Tassin. Je vais devoir décrypter les coordonnées et... Attention, Scaron approche. Wouhou ! Boom, bitches! Voilà. Ok. Ah, il y a quand même un bon paquet de bugs au niveau de l'IA. Hop là. Hop, très bien. Couché. On met haut. Ça se passe plutôt bien. Hop. C'est con, hein. Voilà. Il y en a bien un qui va faire un petit... Non mais il n'y a pas un seul qui déclenche un combo. Ok. Ouais, là c'est coordonné. Oui. Très bien. Dans ce cas, je me dirige vers... Alors la bobine est très efficace, je suis très content de la voir. C'est le lance venin qui me... S'attaquer au Dominion, c'est pas comme affronter une meute de pitons. Quand le mal frappe à ta porte, tu ne te caches pas. Tu le fous. Ouh. Et tu le renvoies du trou d'où il vient sans pitié. Alors j'ai remarqué quelques petits détails dans les sauts du... Regardez, je peux... Hop. Et suivant la longueur à laquelle je reste appuyé, vous voyez, hop les... Et je trouve ça assez cool qu'il y ait ce genre de détails. Couché. Ah bah non. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu léger sur mon saut. Très bien. Saut 7, saut 6, saut 4, saut 3, saut 5. Ok, très bien, l'hôtel, allons-y. Bourre. Mais vraiment, je prends mon pied en termes de gameplay. Il y a, effectivement, les sacs à PV, c'est présent. Moi, j'en ai l'habitude dans certains jeux de loot, hein. C'est un classique dans les jeux de loot, malheureusement. Y compris des reliques des démiurges, je dirais. Perdu les commandes de vol. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je vois ça. Tu te trouves dans une sorte de champ qui doit affecter ton exo. Je crois que j'ai localisé le problème. C'est un générateur du bouclier du Dominion. Il t'empêche de voler. Ça expliquerait comment ils ont surpris les régulateurs. Bon bah allons-y, suivons les copains. J'ai jamais eu à faire avant. Ça pourrait prendre du temps. Il y a des mines partout. C'est mieux si tu continues. Ils sont tous en train de se bouffer les mines. Attention. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de vol. Je voudrais pas que cette mine le moral. Mais qu'il est con. Le Dominion s'est pas pointé par hasard. C'est contrebandier que des reliques. Je sais. Mais ils ont quand même des conclusions hâtives. Au contraire, imaginons le pire. Une relique des démiurges qu'il faut pas dans de mauvaises mains, par exemple. Dans ce cas, la journée promet. Ah, et vraiment pas. Ah bon. D'accord. C'est parce qu'on avait dû finaliser le... Eh, il est magnifique ce colosse. Je sais pas qui c'est, mais... Regardez qui voilà. Le Dominion. Ouais, et ils ont l'agent de Tassin. Ils vont être prudents. Donne-nous la relique, on sait qu'elle est là. Je sais pas de quoi vous parlez. Alors, je pense qu'ils ont mis beaucoup de masques partout pour éviter... Ah, donc lui, il est là. Ce n'est pas une façon de faire des affaires. Selon moi, la douleur ne remplace pas l'argent. Les animations faciales. Relique n'est pas à vendre. Ah, vous voyez, on progresse, donc
vous l'avez. Donnez-moi votre prix et tout le monde sera gagnant. C'est marrant qu'il ait pas la volonté de, d'être un grand méchant. Seulement si on est négligent. Ai-je l'air d'être négligent? C'est pas faux. Observateur, on a trouvé la relique. Elle était cachée dans son slip, c'est ça, non? Dommage pour vous. Les négociations sont terminées. Tu fais quelque chose pour la sauver? Non, bon, tant pis, très bien. Enfoiré. Ah. Bon, voilà qui est très gênant. Un freelancer. Pathétique. J'ai déjà combattu les vôtres. Ils sont 6 pieds sous terre désormais. Magnifique les effets derrière. Hein. Oh, incroyable. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah bon? Ah oui. Couché. Ok. Très bien. On est vraiment en train de se battre contre le Dominion. Moi oui. Toi t'es assis dans ton fauteuil je ne sais où. J'ai pas l'habitude de me faire tirer dessus par des soldats professionnels. Des scars peut-être, mais pas comme ça. Les balles ont le même effet sur les deux. RAS. Ouh. C'est pas faux. C'est tout. Et l'agent de Tassine, pour la secrétaire, son véritable nom ne figure pas dans les données de Corvus, nous ne connaîtrons jamais l'identité de ce pauvre. J'ai mis la main sur une archive. Je la vois. Elle a été amochée par les combats, on dirait. Tassine pourra peut-être en tirer quelque chose. Ses sacrifices ne peuvent pas être vains. Et celui qu'ils appellent l'observateur, il a pris la relique. Je m'en vais la lui reprendre. Ok. Allez, je me suis cogné. Autant pour moi. C'était beaucoup moins stylé que prévu. Oui. Boucherie totale, aucun témoin. Qu'est-ce qui les pousse aussi loin? Non, c'est pas par là. Aucune idée, mais ça implique des reliques. Ça va mal finir. Ah non, c'est pas par là. Bon bah très bien, je crois que c'était dans l'eau moi. You stupid. That I could not go on. Mon chapelain est encore cloué au sol. Oh mais merde. Générateur de bouclier. La zone doit être dégagée si on veut pas d'interférence. Attention. On dirait bien que l'observateur a posté une équipe de nettoyeurs. Essaye de désactiver cette machine. J'ai les infos. Je dois pouvoir. Faut pas taper dessus. Bouge pas. Ah bien. Je vais tenter de le désactiver. J'ai pas particulièrement envie de mourir ici, Owen. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Vachement efficace. Hein. Ok. Ah! Ouh, joli. Eh bien. Oh là, le mec il est encore en train d'apprendre ses touches. Hein. Ça y est, désactivé. Tu peux de nouveau voler. Attends bien. D'autres soldats du Dominion arrivent vers toi. Ils ont pas l'air de te laisser. C'est méchant ça. Fais gaffe à toi. Mais moi non plus, je plaisante pas, bonhomme. Couché. Couché. Touché. Moi aussi j'ai un coup de foudre. Ok. Ça se passe plutôt bien. Boum. C'est le dernier. Je peux encore rattraper l'observateur. Mouille-toi. Il a pris de l'avance. Oui, mais il a fermé la porte à clé. Ouvre. Merci. Appelez. C'est parti. Boum, bam, blam, blam. Ah. Je vais te rattraper. Bah non. Non, non, c'est l'écran de chargement qui va me faire perdre du temps. Trop tard.
C'est pas grave. Je m'en veux, mais c'est pas grave. Je reçois un signal. Il échappe à un crypteur comme moi. Tu m'étonnes. On est trop balèze, toi et moi. Tu ne mourras jamais. Le mec, faut suivre. Il en manque un. Il va se faire téléporter, lui, c'est... Voilà. C'est mal barré. Le Dominion doit avoir de sacrés plans pour que l'Observateur rende visite. Tout ce qu'on a à faire, c'est nous assurer qu'ils reviennent pas. Tu vois, c'est pour ça que je veux être dehors avec toi. Pour faire dégager ces saletés. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, alors pour faire dégager ces saletés, à coup de gros calibre. J'ai encore une piste. Continue, peut-être qu'on aura une chance. C'est tout ce qu'il nous faut. Attends les copains, c'est bon. Bip bip. Stritan. Ah, c'est un titan des rues. Un street titan. Hop. Bon. Hop là. T'approches de lui. Droit devant. Couché. Je vois un paquet de types, Domino. Il est où l'observateur? Je vérifie. Tu devrais peut-être les exploser avant qu'ils nous posent vraiment problème. Tu veux dire avant qu'elles ne m'explosent? C'est bon. Couché. Je le vois pas. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que c'était une embuscade. Ils nous ont conduits ici. C'est là que j'aurais dû faire. Vrai. Il est temps de leur montrer le gros calibre dont on parlait. Merde, j'ai déjà tiré. J'admets. Pardon. Ça va, c'est terminé. C'est bon. Un point pour les freelancers. Ah, colère. Oula. Oula. Bien. Félicitations pour avoir plongé tête baissée dans mon piège. Owen, il se passe quoi là? Je sais pas, il est... Il est là. Sensiblement plus fort que vous. J'estime qu'il est essentiel de mesurer son adversaire. Et vous m'avez clairement déçu. Ah bon? Vous devriez demander à vos lieutenants. Ah c'est vrai, vous pouvez pas, je les ai éliminés. Les freelancers se targuent d'un courage qui leur fait défaut. C'est là l'origine. Il est en train de péter ma carte graphique. Je suis encore bien en vie, espèce. Censure. Pas la peine de te fatiguer. Il est parti. Il ferait mieux de revenir au fort. Avertir Tassine qu'il faut qu'on cause. Oh non, c'est la fin. Au revoir les amis. Je vous aimais bien, vous étiez sympa. Honnêtement, c'était cool d'être avec vous. Bye bye. Et bravo, hein, vous avez été excellent. Bravo. Bravo. Vraiment très bon. Vraiment. Bravo. Bravo à vous tous. L'acide réduit la résistance des ennemis qui subissent plus de dégâts, les rend vulnérables au combo. Ouais, ouais, bah quand ça proc, hein, parce que franchement, je trouve que l'acide, ça a du mal à proquer. Alors qu'en vrai, normalement, l'acide, en fait, moi, je préférais que l'acide fasse... ouais, non, ça viendrait à faire des combos permanents. Très chiant. Eh oui, parce que j'ai pas voulu prendre l'animation non plus, hein, donc voilà. Je suis déjà beaucoup plus stylé que tout le monde. Franchement, on a un Playmobil à gauche, un Playmobil à droite, enfin, à ma droite, et on a un mec qui a voulu faire différemment... Franchement, on dirait du plastique à gauche. Ah, y'en a un qui a fait plus que moi. Ah, cette vexation. Boom, bitches. Ok, très bien. Niveau 6. Emplacement de composants déverrouillés. Très bien. Artilleur. C'est plus cool, j'étais l'artilleur. Il y avait le soldat. Ah, sympa avec l'arc. Alors, nous avons un marteleur, fusil d'assaut, une gravure ultime qui rapporte pas d'armure, donc ça c'est problématique. Ici, on a un mortier hyper-explosif et un canon de siège, d'accord? Toujours pas ce qui m'intéresse. Fusil mitrailleur, par contre, on a un torrent, mais il est déjà seulement de niveau 6, ce qui m'embête. Très bien. Très bien, très bien. On a un autre fusil mitrailleur implacable et... On a un fusil mitrailleur implacable, pardon, et un fusil d'assaut. Très bien.
Hop, alors attends, la meilleure fin de frappe, mais la plus faible cadence de tir, d'accord. Peut-être qu'on va partir sur un implacable, hein. Très bien. P de lancement matchmaking en cours. Ah bon, d'accord. Je vois pas à quoi ça correspond, mais très bien. En tout cas, moi, je m'amuse sur le jeu. Effectivement, il est buggé. Effectivement, il est pas, entre guillemets, parfait. Mais il y a de quoi s'éclater quand même. Il y a une sensation de puissance. Enfin, je sais pas si vous voyez, hein, je cours dans les ennemis, je leur tape dedans, je shoot à distance, j'envoie de l'acide, je fais péter la foudre sur eux. C'est pété quand même visuellement. Je peux pas envoyer de message à d'autres joueurs. D'accord, il y a une forge. Et la plupart des trucs, d'accord. D'accord. Très bien. C'est sympa hein, comme hub, mais bon, est-ce que c'est vraiment pratique? En doute. Faut que j'aille quelque part, non je veux dire. Ah, y'a pas de vol. J'ai même pas le double saut. Oh. Hop les. Y'a quelqu'un ici? Ah non, interagir avec. Non, je veux pas, merci. C'est ça. Démarrer l'expédition. Ah, nice. D'accord, donc en fait, en enchaînant, en continuant ici, je peux enchaîner des missions ou des trucs dans le genre, d'accord. Intéressant. Mais franchement, le plus beau, c'est le mien. T'as dit, lui est pas trop mal avec ses jambières, mais il a le style neuf. Et j'ai pas encore le style neuf. S'il faut être copain avec les freelanceurs. Et j'ai pas fait encore suffisamment de missions et de trucs comme ça pour y arriver. Mais les chargements sont un poil longs, je viens de reconnaître. Très bien, on y est. Plus qu'à aller parler à notre ami Tassin et lui annoncer la mauvaise nouvelle. Salut. 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 Hey. Passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Salut. Cool, le contrat. Je sais pas, écoute, je crois que j'en avais fait hier, mais... J'espère que le contrat s'est bien passé. D'accord. Ok, très bien. Vous, monsieur. Oui, ça, je l'ai déjà lu. Réputation des freelancers. Justement, regardez. On va vous montrer ça. Map. Non, je crois que je peux vous le montrer quand en étant dans une partie. Ah, mon nouvel ami. Tu as écouté attentivement mon récit sur Liberalia, pas vrai? Je n'avais jamais entendu raconter ainsi. Je n'étais plus en service depuis longtemps, cette bataille-là n'était pas la mienne. Mais de bons amis à moi m'ont raconté. J'ai été freelancer pendant de nombreuses années. Tu sais en quoi consiste le métier de freelancer? S'occuper de ce qui se passe au-delà du mur, des problèmes, aider les civils. C'est juste, mais ça n'est pas tout. Il s'agit d'explorer, de combattre le chaos, de sauver des vies. Tu comprends? Oui, je comprends. Les gens pouvaient compter sur nous. En ce bas monde, c'est énorme. Mais la confiance est perdue en route. Les gens se méfient. Les temps sont durs. Enfin, passons. J'ai un contrat pour toi. Tu vas protéger des arcanistes qui procèdent à des tests sismiques. Des tests sismiques? Oui, ils vérifient si les fondations de Fort Arcis sont assez robustes. Hors de question qu'ils s'effondrent, comme la dernière fois. Comment ça? Eh bien, le problème, c'est que ces tests attirent les animaux. Le genre accro, tu vois?
D'accord. Tu es chargé d'un côté du fort et la freelancerise protégera l'autre. Tu comprends ? Compris. Très bien. Parfait. Laisse-moi maintenant, j'ai faim. J'ai sauté le petit déjeuner. Pas bien ! Mais tiens, je mange pas contre le petit déj. Le premier site choisi pour entamer la construction de Fort Arcis s'était détruit par, une terrible inondation qui a engendré une série d'effondrements. Après plusieurs tests sismiques poussés, la construction a repris sur un autre site. De fréquents tests sont effectués sous la ville pour surveiller les fondations. Test sismique. Mon espoir le plus cher est que mes appareils, tels des graines plantées dans la pierre, pousseront et donneront des fruits qui garantiront la sécurité de mon foyer. Ness Stellus, à propos des balises souterraines de Fort Arcis. Arcaniste. Les arcanistes sont des scientifiques, des chercheurs et des universitaires qui étudient tous les mystères du monde, de la faune sauvage aux instruments des démiurges. Ils préservent et enseignent tout leur savoir réuni pour le bien de l'humanité tout entière. Très bien. Ça, c'est ma prochaine mission. Nice. Si je voulais, je pourrais aller... Owen m'a expliqué ce qui s'est passé. Oui ? Il y a un problème là-dehors. Une sorte de soldat d'élite du Dominion. Ces hommes l'appellent l'Observateur. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Et il cherchait une relique des démiurges. Il a tout retourné. Votre agent n'a pas bronché. Jusqu'au bout, elle est restée. Enfin... Je sais. Je suis désolé. Elle a laissé cette archive. Mes agents vont analyser ça. Alors le Dominion est vraiment de retour. Et en force. Bon sang. Je croyais que les espions étaient imperturbables. Pourquoi il y a une... Nous savons aussi respecter l'ennemi. La vie sous le joug du Dominion... C'est pas vraiment une vie. Et s'ils se sont mis en tête de prendre Fort Arcis ? Oui, ce fort, c'est pas mon cadre de vie idéal, mais c'est chez moi. Et chez moi, je veux pas de dictateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant, patientez. Je veux avoir plus d'informations avant d'agir. En attendant, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Est-ce Dandine, hein ? Pardon, mais... C'est quelqu'un d'intelligent et de fiable, qui aurait bien besoin de vos services. Bonjour ! Il est là pendant que je m'occupe du Dominion. Je vous recontacterai. Sentinelle Rissabrine, poste de commandement du fort. Sentinelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, mieux vaut ne pas parler ici. Passez à mon bureau au milieu des plantes. Des plantes ? Oui, voilà, je vous attends. Bon, très bien. Oh ! D'accord. Freelancer, ici Mathias Sumner. Comment ça se passe ? Salut Mathias ! J'ai fait un peu de rangement dans mon labo. Je peux reprendre mon travail. Si tu veux me parler, tu sais où me trouver. Dac, pas de soucis. Mais d'abord, on va lancer l'expédition. J'allais dire, d'abord, on va lancer l'expédition, mais... Comment je change la mission ? Ah, attendez, peut-être là. Tes mains fortes, prêtez main forte. Max ? Max ! Bon, on va aller directement partir dans la mission de notre ami d'avant. Ok. Oh, bah c'est cool. Bonjour. T'as vu le colosse, comment qu'il est stylé ? C'est le mien ! Oh. Je sais pas si je veux avoir un masque comme ça ou me savoir pourquoi il en porte un. Bonjour. C'est de la bonne musique, ça. Oh ! Regardez-moi ça ! Il est magnifique ! Absolument magnifique ! Hop, les... Et voyez, regardez, hop. Non, il faut que je sorte. Faut que j'aille à la forge. Et de nouveau, donner des nouveautés, normalement. Je suis censé être plus performant. Sexuellement. Pas que ce soit possible. Bref. Ok. Sinon, pour avoir de l'armure en plus, je fais comment ? Ah, c'était le même. D'accord, ok, très bien, autant pour moi. On va équiper ça, alors. Ça, je gagne plein d'armure. Niveau 12, d'accord. Afficher les infobulles, parce que je sais pas s'il m'affiche toutes mes armes. KO ! Fusil mitrailleur implacable.
va mettre celui-là plutôt, je le sens mieux. En plus, il a plus 7% de dégâts électriques, ce qui est pratique pour nous. Ici, nous avons le crash venin, et maintenant, on a le canon de siège. Alors, le tout est à voir, je crois qu'en plus, malheureusement, on a un souci au niveau de la bobine foudroyante qui, elle, déclenche l'explosif aussi. Donc, voilà, ça déclenche. C'est un déclencheur et pas un... Ah. Alors que lui, le crash venin est un... Oh là là. Vous voyez, c'est le petit symbole rond qui est intéressant. Normalement, c'est rond, ensuite, étoile. Ah, je craque, tant pis. J'aurai des gens avec qui comboter, c'est pas grave. Bon, on va rester comme ça, c'est pas trop mal. J'ai un doute. Ah, c'est bon, je lance. Fuck it. Le vif intercepteur est le javelin le plus agile. Oui, bah c'est pas le mien le plus agile, ça c'est certain, mais... Hein, Simon ? Attendez, je peux te parler ? Simon, je sais plus comment je t'appelle, excuse-moi. Tiens, mon régulateur préféré. T'as pas chômé ? Je sais. Merci. T'as ramené Mathias sain et sauf. Tu m'as fait bonne impression dès que je t'ai vu. Ne me déçois pas, d'accord ? Je protège mon foyer. Eh, le fort, c'est notre maison. Je dois continuer à veiller sur lui. Je vais pas te contredire. C'est bien que tu te sois installé. C'est rare. Et... J'imagine que Fort Tarsis n'était pas dans tes plans avant... Mais c'est un dialogue qu'on avait eu dans la démo. Je ne savais pas ce qui arriverait, ni où j'atterrirais. Il s'avère que c'était ici. Heureux d'être resté ? Oui, je me plais ici. Ouais. Je savais pas à quoi m'attendre, mais cet endroit gagne à être reconnu. J'étais pas non plus censé rester là. J'étais dans un arpenteur au large d'Eliost. Je devais arriver à Antium. Il s'est passé quoi ? Un cataclysme. Le ciel a viré au jaune. La terre a tremblé. Les survivants ont été amenés ici. T'es jamais parvenu jusqu'à Antium ? J'avais pas les moyens de réessayer à l'époque. Et maintenant, j'ai un bon travail et un fils. Le fort est devenu ma maison. Oui. Ça me fait plaisir que tu ressentes la même chose. Quand t'es là, en tout cas. D'ailleurs, je ferais mieux d'aller contrôler ton javelin avant que tu repartes. Merci. Merci, c'est sympa. Très gentil, merci Zoé, t'es un amour. Allez. Quoi ? Ah oui, non, c'est pour l'autre mission. C'est pas celle-là qui m'intéresse ! On est déjà à 40 minutes d'épisode, mais j'ai fait qu'une mission. What ? Bon, c'est long en plus. C'est parti, c'est pour ça qu'on va refaire. On va faire celle-là, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, je plotte de nuit, donc c'est cool. Oh, c'était tellement stylé. Non, franchement, admettez-le, il est magnifique. Il est superbe, il est magique. Il est bio. Non, vraiment, il est magnifique, je peux pas... Mettez des pouces, hein. Mettez des pouces bleus pour dire qu'il est beau. Et abonnez-vous. Et commentez, dites qu'il est beau. Merde, dites des choses. Et commentez pas pour dire que je vapote de trop. Alice, ça doit être chiant dans le micro. Ouais, sur la fin du liquide, pourtant j'avais... Ou alors mon coton est mort. Oh, fait chier. Salut les mecs. Bah je me sens seul pour le coup, mais c'est pas grave. Le transfert de freelancer Yaro. C'est Yaro. Allons protéger quelques arcanistes. La freelancer Riz a commencé à patrouiller. C'est Riz, je confirme. Je suis en route. Voyons ce qu'on peut faire, Riz. Hop là. On est bon. Hé, hey, par ici. On est sûr que c'est une bonne idée. Je veux dire... Finissons-en, c'est tout. L'indicateur sismique est prêt. Ok. C'est bon, je l'ai allumé. Non. C'est la partie que je déteste. Ça me met toujours sur les nerfs. Oh, au fait... Salut les copains. N'oublie pas que les tests attirent les animaux. On va savoir pourquoi. Non. Protège les arcanistes, c'est bien clair ? J'ai compris. Je vais ouvrir l'œil. Animaux sauvages en approche. Tu vois, c'est toujours la même chose. Ils sont bien énervés. Putain, il court lui. Je sais pas ce qui lui arrivait, mais j'y vois que dalle, moi.
Putain, les arcanistes, c'est puissant. Ok, je couvre la zone. Hop là. Ils peuvent peut-être faire des tests, ils ne pourront pas enrager les animaux. C'est de la science, ils sont pas y faire. Oh. Alors ça, c'est horrible. Bah alors les mecs. Oui, je sais, je peux rester en vol, hein, mais... envie de surchauffer. Les tests sont terminés. Ils sont passés sans encombre, Yaro. Parfait. Passe au groupe suivant. Je vais m'assurer que ces arcanistes rentrent sains et saufs. Il est beau aussi, lui, hein. Ici Freelancer Riz. Le premier groupe a fini. Pas d'enregistrement. La ménarde. Possible. Étrange. Cap sur le point suivant. Le deuxième site. Pas d'arcaniste en vue. Oui, je vois. Bon, essayons de trouver des signatures énergétiques dans la zone. On va essayer. Celui-là. Ah, ça c'est de la cadence de tir. Par contre, il reste debout comme ça. Mort comme ça, foudroyé. Attention, c'est du lourd en matière de scar. N'essaie pas de détruire le bouclier. Contrôle-le, compris. Salut. Oh, merci. Ça c'est fait. Merci beaucoup. Continuons. Pas d'arcanistes en vue. Ils sont où? D'accord. Bien. Escar a dû les capturer. Pourquoi capturer des arcanistes? Sans doute parce qu'ils en savent beaucoup sur les démiurges. C'est important pour l'Escar. On peut les traquer? Oui, allez, l'Escar récupère tout. Alors je recherche la signature énergétique d'outils arcanistes. D'accord. C'est pas bête. J'apprécie le geste. C'est ma façon de récolter les choses au sol. Toujours le signal ? Oui, on touche le but. Mais what ? Ah ! Un campement, tu le vois ? Ouais, on va devoir se battre. Regarde-moi un peu ça, ça me plaît pas. Moi non plus. Une tourelle ? Ils ont l'air d'être nombreux. Ouais, c'est l'occasion de faire connaissance. Hop là, nice, on l'a eu. Accueil, y'a plus de tourelles. Va t'en occuper. Pas suffisant. Yeah, très bien. Je sais pas si j'ai touché quoi que ce soit, mais... ils ont pas apprécié. Bah alors... tu permets ? Hop là. Oui. La glace. D'accord. Les arcanistes ont été retrouvés. Oh. L'escar avait apporté une cage. Une cage. Une cage. C'est dégueulasse. Salut. Voilà, merci pour le combo. Trop de scars dans la zone, c'est mauvais signe. Allez, c'est, je peux comprendre que ce soit pas très bon signe. Bon, bah, écoute... hop, merci. Ah, je suis resté de glace devant autant de violence. Ok. Il reste des scars. Merde, j'ai pas eu celui-là. Non, c'est moi qui aurais le dernier. Boum. Non, c'était pas le dernier. Non, c'est lui qui l'a eu. Non. Si. Copain. Oh, salut. Qui
complet. Il s'est associé à de nombreux ennemis. Je vais voir ce que je peux faire. Il est à terre. C'est la fin de Gueule d'Ordure. Gueule d'Ordure, nice. Voyons où se trouve ces arcanistes. Très bien. Ça s'ouvre pas ? Sésame ! C'est bon. Ah, te voilà. Tu vas bien. Je t'en remercierai jamais assez. J'ai de toute façon tout ce qu'allait se passer avant ton arrivée. Les arcanistes n'ont rien, à part quelques écorchés. Salut ! Dis aux sentinelles de passer les chercher. C'est déjà fait. Bien joué. On a terminé ici. Fusée ! Retrouve la Freelancer Reese. Compris. Pas content ! Hop là. Reese, tu vois des scars dans ta zone ? Amène-toi, et vite, tu m'entends? Ok. Ça a l'air de puer un peu cette situation, si je puis me permettre. Ah, j'ai essayé un truc, mais... Aïe, je me suis écrasé, du coup. Ah, il peut pas... Habituellement, il utilise ses mains, en fait, c'est ça que je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. En fait, des fois, il lui arrive d'utiliser ses mains pour se hisser. Mais j'imagine que c'était pas le bon endroit. Oula. Ok. C'est stylé, cela dit, hein. J'apprécie, hein, mais... Ouhou. Attends, je récupère. Voilà, merci. Mais non, mais j'y suis, dans la zone de la mission. Ouh. Ça en fait, du monde. C'est pas beau à voir. J'ai pas de face de Reese, ou du moins d'arcaniste. Je ne vois que des scars. Bon sang. Couché. Appelé. Ne partez pas. Où est-ce qu'il est? Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Allez, viens par là. C'est comme ça qu'on s'occupe des gros. Allez, fais péter, hein. J'attends. Vous en chiez, les copains? Ouais, mais si tu te mets devant, on sait. Bah voilà, je disparais, il y en a qui repopent dans le fond. Très bien. Il va être douloureux, hein, quand même. Salut! Hop là. C'est quand même cool d'avoir des... Ouais, c'est quoi? Des arcanistes, de d'accord. Oui, monsieur, à vos ordres. C'est par où? What? Ils disent qu'il y a un tas de cadavres de Scar par ici, à l'écart du campement. Ah, d'accord. Oh. Oh, c'est quoi? Entrée du passage, tunnel abandonné qui date de... D'accord. Ah, ça rejoint un peu l'autre mission qui disait que dans les tunnels, il fallait faire attention aux trucs sismiques, tout ça. Mais, t'entends? C'est le bruit de la guerre. Le bruit de la guerre. J'arrive! J'ai pas réussi à tirer dans la porte. Salut! Oula, tranche tôle. Bon, et tu sais quoi? Voilà! Nettoyage! Tout va bien? Aucun PC n'a craché, c'est bon? On est un peu secoué, mais on est en vie! Cette blague! Le jeu veut pas qu'on y aille, vous avez vu? Y'a un coffre! Oui! Yes! J'ai eu le coffre! Excellent!
Excellent, j'adore ce jeu, c'est génial. Le jeu voulait pas qu'on aille jusque là. Vous avez vu comment il nous ralentissait à mort. On était en train de se battre contre l'air qui était dense comme si c'était de la glu, quoi. Ou autre chose de blanc et passablement collant. Ah, celui du... L'intercepteur est quand même magnifique. Pour l'en connaître. Oui, ah non, c'est pas moi le meilleur. Merde, crédit. Ah. C'est pas ça, hein. Très bien. Passer. Il ne fait que passer ma route. Oh non, encore un crash venin. Mais non. Par contre, ça c'est cool. Dispersion, ça c'est cool aussi. Ça aussi, mais je sais pas ce que c'est. Lance-grenade. Ah, lance-mine plutôt. D'accord, ok, très bien. Pas ultra fan de ce genre de gameplay, mais écoute. Forge, allons dans la forge. Allons voir ce qu'on peut améliorer, et puis on va se laisser là pour cet épisode. Mais en tout cas, mon javelin est stylé. Mon colosse est stylé. Oh, mais regardez-moi ça. Il est magnifique. Fusil à pompe. Obligé hein, pour augmenter la puissance. Là je devrais, hein, je suis obligé aussi, mais ça c'est tellement plus pété. Allez, c'est parti, vendu. Alors ça c'est quoi que j'ai là? La foudre. Très bien. Et voilà, on a tout amélioré. On est à 69 de puissance. Si ça, c'est pas un pute. Ah, bah attendez, je peux faire. Ah. Je pourrais construire des choses. Attends. Ça veut dire que ici, par exemple, au lieu d'avoir mon crash venin. Ah, bah non. C'est bon, j'ai pas le plan en question. Et là non plus. Très bien. Comme ça, c'est clair. Et ici, je peux pas. J'ai pas de plan du tout. Ok. Peut-être qu'ici, je pourrais peut-être avoir une fabrication de... Ah. Au niveau 7 de puissance, et en plus, il est pas vert. Ouh. Oh, très bien. Tant pis, Imhotep, tout va bien, c'est pas grave, je le prends pas mal. Je le prends très très mal, mais... On est à 69 de puissance, ça aurait été dommage de gâcher ça. En tout cas, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Bonus, le freelanceur de Anthem, donc avec notre colosse. Salut les gens, et yo!